Souviens-toi, ô bienheureux Saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué ta protection et demandé ton secours sans avoir été consolé. Animés d'une pareille confiance, nous venons à toi et nous te recommandons toutes nos intentions, de toute la ferveur de notre âme. Ne rejette pas nos prières, ô toi qui as appelé Père du Rédempteur, mais daigne les accueillir avec bonté. Saint Joseph, écoute nos prières et présente-les au Père. Saint Joseph, écoute nos prières et présente-les au Père. Bon Saint Joseph, daigne accueillir la prière de Catherine et de Christophe pour leurs trois enfants, Aude, Oriane et Alban. Que la Sainte Famille les protège et les aide à répondre à leur vocation dans cette société et dans l'éternité. À la demande de sa maman, nous te prions, Saint Joseph, pour la conversion de José, l'ami de sa fille Esther. Que leur relation prenne toute sa place selon le plan de Dieu et que le bébé qu'ils attendent soit élevé chrétiennement. Saint Joseph, nous te prions pour Raphaël qui souffre de son célibat et qui est handicapé dans sa vie quotidienne et relationnelle par des douleurs provoquées par la maladie de Lyme. Que le Seigneur lui donne la grâce de rencontrer enfin un compagnon de vie à votre image. À la demande de Michel, nous te prions pour Jonathan, pour que Dieu se révèle à lui. Daigne exaucer Gisèle qui te demande la réconciliation à la suite d'une dispute qui vient mettre en péril une amitié de longue date. Saint Joseph, écoute nos prières et présente-les au Père. Saint Joseph, nous confions à ton intercession toute la famille de Colette, Walter, son mari, Frédéric, Nadia, Emmanuel, Dicky, Isadora, tous leurs petits-enfants, Guillaume, Ève, Simon, Thibault, Lucie, Robin, Alice, Justin et Salomé, et tous les membres de leur famille recomposée. Jésus, Marie, Joseph, à vos trois cœurs unis, nous demandons d'abondantes grâces pour les familles. Que celles qui sont désunies et déchirées puissent retrouver l'unité, la paix et l'harmonie. Que toutes les familles aient le bonheur de trouver la foi en Jésus. Regarde avec bonté les couples de Claire et Fabien, Clotilde et Pierre, Ophélie et Aurélien, Amaury et Sophie, Gaël et Nicolas. Bon Saint Joseph, pose ta main de douceur et de paix sur Raphaël, Éléonore et tous les jeunes, spécialement les étudiants qui souffrent des conséquences des mesures sanitaires et s'inquiètent pour leur avenir. Pour toutes les personnes pour lesquelles la solitude devient insupportable, nous te confions Nelly. Accompagne jusqu'au cœur du Père l'âme de ceux qui ont fait le grand passage récemment. Nous te confions particulièrement Liliane,
Marc et Samuel. Saint Joseph, nous te confions François, diabétique et en surpoids, qui ne supporte pas du tout le Xème traitement avec beaucoup d'effets secondaires. Nous te prions aussi pour que la maman de Génie soit soulagée dans sa souffrance. Accueille la prière de Christiane, qui souhaite pouvoir rentrer dans son logement, qui semble squatter dans cette grande ville où elle doit se rendre pour y subir une chimiothérapie. Ainsi que la prière de Nadia, qui demande la force et le soutien dans les traumatismes psychologiques qu'elle rencontre à la suite de situations conflictuelles et d'agressions dont elle a été victime. Saint Joseph, nous te prions pour le père d'Ola, atteint du cancer, pour Slavek, qui attend une greffe du foie, pour Fleur, 18 ans, hospitalisée pour anorexie. Saint Joseph, écoute nos prières et présente-les au Père. Seigneur, daigne exaucer Daniel, qui te demande, par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Joseph, d'accorder à sa fille Carole la force et le courage dont elle a besoin pour préparer son prochain examen professionnel qui est crucial pour elle. Daigne aussi, bon Saint Joseph, exaucer la prière de Marie, de Justin et de tous ceux qui te confient leurs soucis matériels. Nous te prions enfin, Saint Joseph, pour tous nos frères et sœurs de la famille de Saint Joseph, pour nos amis, nos bienfaiteurs, les confrères de Saint Joseph et toutes leurs intentions.